Bonjour tout le monde, hello everyone, welcome back to my kitchen. You can find the recipe by writing, by clicking on the name of the recipe and the writing version will appear. Cliquez sur le nom de la recette et la version écrite va apparaître. Je vous fais une salade, excellent salade, that I did on Instagram, je l'ai faite sur Instagram. Et vous pouvez maintenant la retrouver sur YouTube parce qu'elle a vraiment plu sur Instagram. It really made a lot of people happy on Instagram. So I said I'm going to do it on YouTube. C'est parti. Alors, on va se prendre une petite échalote. One shallot. We're going to chop a shallot. Au vinaigre. We're gonna take some pickled cucumber, pickle in vinegar, in brine, petit pickle comme ça, ou des cornichons de maille. Je les adore ceux-là. The maille cornichon. We can also use that. It's delicious. But franchement, pour cette salade, en brine, ils sont bien bons. Ils sont pas aussi forts que les cornichons de chez Maï. Donc essayez de vous trouver des petits cornichons qui sont pas très forts en goût. Un morceau de concombre, some cucumber. I took Persian cucumber. I took two of them. Vous avez ce genre de concombre en France? Je sais qu'en Israël, on en a. Mais au Canada et en France, vous avez. C'est des petits concombres, en fait. C'est ceux qu'on utilise quand on veut faire des concombres macérés au vinaigre. I'm gonna peel a little carrot. Alors, the carrot, it will be very nice if you can cut it as thin as you can. Alors, you cut it in half, another half, so into four, and really try to make as thin as possible. Couper un morceau de carotte en quatre dans le sens de la longueur et après vous la coupez mais vraiment le plus fin possible parce que sinon ça dérange trop quand elle est crue comme ça la carotte si elle n'est pas râpée et je veux pas la râper pour cette salade. Soit vraiment le plus fin possible. On va rajouter un quart. Vous savez, vous pouvez prendre aussi, vous savez les petits, les tout petits poivrons qui, moi je les achète dans des sacs et les couleurs sont différentes. C'est un sac de mix parce que si vous utilisez pas ça après, c'est dommage. Mais si vous mettez tout le poivron, ça va être trop fort. Donc vous pouvez utiliser les tout petits poivrons qu'on trouve ici. Ça se vend dans des petits sacs avec des couleurs variées. If you can take as well the small bell pepper that you find in bags. And they come orange, red, and yellow. You can take also one like that because you don't need more than that. If not, it's gonna take over.
bell pepper is very strong in taste. So just a little piece will make the needs of this salad. Même concept que le maïs en fait. We want to all more or less keep the same the size of the corn. J'ai lavé mon maïs, I washed it, we add it, and now we want to add some dill, de l'aneth, on ciselle l'aneth as well. Du sel, du poivre, salt and pepper. Alors, either you make it with mayonnaise, but a lot of people doesn't like mayonnaise. So you do with mustard, oil, and vinegar. You put on the side some mustard with oil and vinegar, and you add it to it. But if you like mayonnaise, so you put one tablespoon of mustard. Si vous n'aimez pas la mayonnaise, vous faites une petite vinaigrette à côté avec une cuillère à café, une cuillère à soupe de moutarde, deux cuillères à soupe de vinaigre et quatre cuillères à soupe d'huile. Et vous aurez une super vinaigrette avec les échalotes en dessous, c'est parfait. Si vous aimez la mayonnaise et que vous mangez de la mayonnaise, vous faites comme ça, c'est génial. Est-ce que je n'ai pas... I have one ingredient that I love to put with this salad as well, but I don't have it because I use all of them without... I forgot that I needed it for the salad. It's mushroom. You know the... French mushroom, the white one. C'est des petits champignons blancs que je rajoute aussi pour cette salade, c'est délicieux. Mais là, j'en ai pas et je les ai utilisés. J'ai acheté deux boîtes et je les ai utilisés. Donc, c'est pas grave, c'est sans champignons cette fois-ci. Mais les cornichons, les concombres et le maïs avec l'aneth, c'est un mariage de folie, que vraiment il faut que vous essayiez parce que c'est très 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 bon. This combination of flavor between the corn, the cucumber, the mushroom, if you had the mushroom, it's perfect. I'm going to put it in the recipe, the mushroom, because it's really amazing. And the dill, it's a beautiful combination of flavor. Donc voilà, vous avez une superbe salade. Et regardez, c'est super simple quoi. Rajoutez-vous un petit peu de graines de nigel. Ça va donner de la couleur. Et voilà, regardez, c'est ma mâche. Some black sesame. Voilà, vous avez une super salade. Je goûte avec vous. I'm tasting with you. Wow. It's a real firework of flavor and crunch. It's delicious. Elle est délicieuse. C'est un vrai feu d'artifice de saveur. C'est superbe. Alors, si vous voulez pas de mayonnaise, vous pouvez la faire aussi avec du yaourt et un petit peu de moutarde. Ou avec une vinaigrette à la moutarde et aux échalotes. C'est délicieux aussi. Mais si vous pouvez apporter ce petit côté un petit peu crémeux, elle est magnifique. Elle est délicieuse, mais délicieuse. Voilà, messieurs, dames. I see you very soon. Ciao, ciao.